situation, pas la même manière, on va dire, de construire à l'intérieur. Du coup, ce qu'on a trouvé aujourd'hui pour se mettre d'accord sur la spec générale, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est que WebSocket et c'est que la topologie star, donc classique serveur, et après tout le monde est connecté à serveur en fait. Et ce que nous on envisage dans la Netflux, c'est pouvoir avoir plusieurs topologies. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir des canaux de communication, donc un groupe de communication qui marche sur Fully Connected, une autre à côté qui marche sur Star, une autre qui marche une autre topologie, et qu'on puisse, dans n'importe quelle topologie, on puisse mixer WebSocket et WebRTC, Data Channel. Donc on vise un petit peu un cas plus général que XWiki. Lui, c'est vraiment un truc particulier. Donc on s'est mis d'accord sur la spec et c'est ce que je pense que je vais travailler pour les prochaines semaines là-dessus en fait. Et du coup demain je vais faire la présentation de mes trucs, je parlerai un peu plus en détail de quoi c'est composé et Ok. Question. Merci.